going to be even colder than last night. I hope we get some new blankets soon. I just hope we get some hot water soon. I haven't bathed in over 2 weeks. Yeah, I know. Such as it is, this is my house. If you go down these stairs, ouais, sa maison qui a genre pas de toilette dedans. C'est juste ça, sa maison. Avoir un fusil avec une lunette. Très pratique. Des jumelles. Il peut manger sa bouffe. Calibre 45. Mitraillette Thompson. Calibre 45. Une arme qui a extrêmement peu de... extrêmement peu de munitions, donc de tir, donc inutile. Pierre Ardennaise. Ouh, il y a un Allemand sur. Ben, une civile est un échec instantané et on le fera pas parce que on n'est pas un nazi. Là, il y a juste des femmes civiles dans le jeu. Et c'est pour être un village allemand, mais il y a quand même genre deux civils dans le niveau, je pense. Ce qui font passer toutes les autres civils, mais bon. Y'a rien ici. Encore une fois, les nazis qui jettent directement dans. Ben, dans une kill zone, là. Devant la mitrailleuse. Est-ce que c'est cave, un nazi? Donc la mission, je sais pas si vous avez vu dans l'intro, de trouver un autre contact, un certain Karl Willigut, qui est dans le village. Oui, c'est important d'être discret parce que ben, c'est le fun, c'est plus réaliste. Garde avec une carabine puissante dans la tour. Je peux le tuer. Oh fuck. Non. Et notre ami Karl qui arrive. Wait, don't shoot. Come inside. I have something for you. Le portrait genre avec Hitler dans le coin. Our British friends thought you might be able to use this. A silenced Sten submachine gun. Le bon manteau. It uses the same 9mm ammunition as the MP40. Du 45 et le Sten. Le Sten dans la vraie vie, c'est une vraie arme. Après l'évacuation de Dunkirk en 1940, les troupes britanniques ont dû abandonner beaucoup de matériel derrière, puis ils ont dû faire un réarmement comme d'urgence. Et ici on revient où on était, je pense qu'il y a d'autres affaires à voir. Ils ont dû faire un réarmement d'urgence et donc le je pense que c'est un major quelque chose, en tout cas j'oublie le nom.
train de développer le Sten, qui est une arme très simple à fabriquer, très assez primitive, ben primitive, qui pouvait fabriquer très très peu dispendieux puis très rapidement pour réarmer les forces britanniques. Et elle utilise les mêmes chargeurs que le MP40, les mêmes munitions. Donc les troupes britanniques pouvaient juste voler les munitions des Allemands puis continuer à avoir des munitions pour leur Sten. Ça avait été designé pour être pouvoir fait dans un garage. Comme ça, les Britanniques, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils parachutaient des munitions puis des plans en France. Puis les plans montraient comme un fermier français de la résistance comment démonter son tracteur ou d'autres affaires comme ça, puis faire une mitraillette Sten. Le Sten dans le jeu, il y a un silencieux, un suppresseur, je veux dire. Techniquement, un silencieux, ça n'existe pas, faut dire un suppresseur. J'ai roté, c'est pour ça le pardon. Qui, l'arme peut surchauffer. Non. Et produire de la vapeur, ce qui n'a absolument aucun sens. Comme, ça implique qu'il y aurait genre comme une réserve d'eau pour refroidir l'arme. La porte barrée, ça crame. Mais c'est ça, une troyette Sten. Pistolet mitrailleur, Sten. D'ailleurs, à cause de sa construction assez bon broche à foin, la sûreté de l'arme était comme pas vraiment sécuritaire. Puis les résistants, des commandos, des résistants, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils pitchaient la mitraillette, mettons, dans une pièce, puis elle se vidait complètement, puis ça tuait genre, ça permettait de tuer genre tout le monde dans une pièce. Fait que c'était comme une grenade réutilisable, tu lançais la mitraillette, elle vidait puis elle tuait tout le monde, puis tu pouvais genre la recharger puis la réutiliser. C'était une grenade et réutilisable. Ah, il y a un secret ici. You suppose she's right about the rest of it? The rest of what? Well, you know. What, resurrecting the dead? Oh, come on. Schoolboy? Oh, shit. D'ailleurs, un truc un peu stupide. Le MP40, je crois, fait 6 points de dégâts par balle. Le Thompson fait 8 points de dégâts par balle, ce qui fait sens parce que le point 45 est plus puissant que le 9 mm. Mais le Sten fait 10 points de dégâts par balle, même s'il tire les mêmes munitions que le MP40. Fouille-moi comment ça marche. Ici, il y a un silencieux, un Luger. Et sans Luger, ça fait... Et bon, c'est complètement redondant parce qu'on a la mitraillette Sten. Il y a un autre secret ici, c'est... avec un livre. Ça mène dans la caverne avec de l'or. C'est pesant de l'or comme... le bonhomme, il traîne genre tous les lingots d'or du château, plus genre les lingots d'or qui volent dans le village. Mais ça devient pesant comme... Ça sert absolument à rien, c'est genre. Tu sais, de regarder les lignes ennemies, faut qu'il fuit pour sa vie, mais genre, oh non, je vais voler leur or. Des priorités à la drôle de place. J'ai accroché le piton de pied. Oh. Il y a un petit secret ici, ben pour moi un secret, il compte pas. Et il y a des trucs bien. Ah, ça me crève. Had to see it off the grid. There was no time left. So
voice. Those horrible screams. Didn't you hear them? I can hear them still. I don't think I'll ever stop hearing them. Yeah, I agree. Terrible. I need a drink. Oh. On sait un peu ce qui va se passer dans le prochain niveau. Fuck. Je pensais être discret finalement, mais... Ça a été un esti de flop total. Donc ouais c'est ça, j'ai passé pour un souffle. Bon, ça sert absolument à rien de monter ici. On arrive à la fin. Avec le cimetière. Non, il y en a qui savent ce que ça s'en va aussi. Qu'est-ce à la crypte. Il y a de la dynamite. C'est plaisir. Et wow! Donc ça c'est comme la jauge de santé d'un objet. Vous voyez, elle diminue un peu. C'est un peu long à tout péter, fait qu'on va péter ça avec une dynamite. Ça tue le gros cadeau de nazi. Donc c'est ça, on progresse dans le niveau de la crypte. Et je vais faire une petite coupure et je reviens après.